Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous n'avons pas intercédé, mais nous sommes venus pour rendre grâce et ensuite d'écouter la parole de Dieu. Car lorsque Dieu accomplit des merveilles, il attend de son peuple la gratitude et la reconnaissance, et cela l'encourage à agir encore. Amen. Et l'année prochaine, nous aurons encore Alpha quelque chose. Amen. Et nous allons terminer toujours le programme Alpha avec une croisade à l'extérieur, soit au niveau du boulevard Triomphal ou au niveau du 20 mai. Amen. Mais de plus en plus, c'est l'idée de tenir une croisade au stade Tata Raphaël qui est en train de primer. Donc l'année prochaine, nous serons à Tata Raphaël. Amen. Et les âmes seront sauvées, les malades seront guéris et la puissance de Dieu sera manifestée. Si Jésus-Christ tarde, amen, nous y serons et que Dieu te prête vie. Amen. Aujourd'hui, nous avons étude biblique. Et aujourd'hui, notre étude biblique sera basée sur Éphésiens 6, du verset 10. Éphésiens 6, du verset 10. Verset 10 jusqu'au verset 18. Le thème de cette étude de biblique, c'est les armes spirituelles. Tu peux dire à ton voisin, les armes spirituelles. Alléluia. Nous sommes debout, enfin, de lire ces 8 versets. Éphésiens 6, verset 10 jusqu'au verset 18. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok, nous allons lire 1, 2, 3. Allons-y. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Le livre d'Éphésiens a été écrit par l'apôtre Paul. Amen. Et l'apôtre Paul n'était pas avec les autres apôtres lorsque Jésus-Christ était vivant physiquement. Il s'est converti après. C'était un grand persécuteur de l'Église. Il a eu à mettre beaucoup de chrétiens en prison. Il a dû participer même à la mort d'Étienne. C'était un homme qui était plongé dans la loi,
mais qui ne connaissaient pas le Dieu de la loi. Amen. Il est possible de connaître la loi de Dieu sans connaître le Dieu de cette loi. Amen. Et lorsqu'ils persécutaient l'Église, ils pensaient qu'ils servaient Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui est apparu et il s'est converti, frappé d'aveuglement pendant 3 ans. 3 jours plus tôt, il ne voyait pas, il ne mangeait pas, et le Seigneur l'a appelé au ministère. L'apôtre Paul avait une grande capacité intellectuelle et une grande grâce dans la dimension de l'enseignement, de sorte que lorsque Pierre parle des écrits de l'apôtre Paul, il dit que certains sont compliqués et certains, ne comprenant pas le sens de ses épîtres, en tordent les sens. Pour dire que lorsque tu lis les épîtres de Paul, il ne faut pas lire intellectuellement les épîtres de Paul, mais il faut prier afin que Dieu t'inspire, de peur que tu puisses tomber dans des fausses doctrines. Et celui qui dit cela, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'apôtre Pierre, celui qui a prêché le premier au jour de la Pentecôte. L'apôtre Paul a écrit la plupart des épîtres. Il est le plus grand écrivain du Nouveau Testament, alors qu'il n'a pas été là au début. Cela démontre la grâce de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Malgré qu'il a tué les chrétiens, malgré qu'il a persécuté les chrétiens, lorsque Dieu se révèle à lui, Dieu ne manifeste pas qu'il est rancunier. Dieu lui pardonne et lui confie sa parole. Amen. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de grâce, Dieu, on ne le comprend pas toujours. Amen. C'est pourquoi chaque fois que tu veux opérer dans la vengeance, sache que tu n'opères pas comme Dieu, parce que Dieu n'est pas rancunier. Amen. Et il écrit un livre aux chrétiens d'Éphèse. Et dans ce livre, il parle des armes spirituelles. Au Congo, nous parlons beaucoup du combat spirituel. Qui a déjà entendu parler du combat spirituel? Amen. Alors, j'aimerais déjà préciser ceci, qu'au Congo, on pense que combat spirituel est réservé à un ministère. Amen. C'est-à-dire que si toi, tu ne pries pas là-bas, tu ne peux pas parler du combat spirituel. Ou si tu parles du combat spirituel, donc tu es disciple de là-bas. Non. Alléluia. C'est comme à la compassion, nous prêchons sur la sanctification. Est-ce que si quelqu'un parle de la sanctification, il est disciple d'ici? Non. Le message de la sanctification n'est pas le message de la compassion. C'est le message de la Bible. Ce n'est pas la propriété privée du pasteur Marcelo. Tout serviteur de Dieu prêche la sanctification. Et tout serviteur de Dieu prêche le combat spirituel. Même si tu ne cites pas le terme combat spirituel, quand tu dis maintenant nous allons chasser les démons, tu fais quoi? Alléluia. Quand tu dis attention au diable, tu fais quoi? Alléluia. Quand tu enseignes contre la sorcellerie, tu fais quoi? Tu enseignes le combat spirituel. Amen. Et Dieu n'est pas un Dieu qui nie les choses, car il y a certaines doctrines qui aiment nier le diable. C'est-à-dire, nous sommes des chrétiens, nous avons la puissance contre Satan, il ne faut pas parler du diable, il ne faut pas parler des démons, parce que nous sommes sauvés, nous avons la puissance. Bien-aimé, il faut être biblique. Jésus-Christ a parlé du diable, il a parlé des démons, il a chassé les démons, les apôtres ont parlé des démons, alléluia, et on ne peut pas être une église qui nie le diable alors que la Bible parle du diable, même si c'est un ennemi vaincu. Nous voyons que Paul est en train de parler des puissances, des ténèbres, des autorités de domination. Nous ne pouvons pas avoir une doctrine qui dépasse la parole. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un christianisme élevé au-dessus de la Bible. Amen. Ou moi, dans ma vie, le diable, je ne m'en occupe pas. Les démons, je ne m'en occupe pas. Ah, tu es plus spirituel que Paul. Amen. Paul reconnaît qu'il y a un combat, il reconnaît qu'il y a des puissants de ténèbres en face et il écrit une épître où il parle des armes contre ces puissances-là. Ainsi, frères et sœurs, lorsque tu te convertis, tu dois savoir ceci. Il y a le monde de lumière, il y a aussi le monde des ténèbres.
Tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui existe. Si Dieu t'ouvre les yeux maintenant, tu vas voir des anges, tu vas voir aussi des démons. Alléluia. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels maintenant, tu vas voir qu'ici, il y a des serviteurs de Dieu, il y a aussi des serviteurs de Satan. Amen. Hein? Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas découvrir qu'il y a le monde du diable et il y a le monde de Dieu. Et quiconque est mûr spirituellement, qu'il le voie ou qu'il ne voit pas, il sait que ce sont deux réalités. Lorsque je marche avec Jésus, je sais qu'il y a le diable, qu'il y a les démons, il y a les anges, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a l'esprit du mal. Amen. Lorsque tu es seulement Saint-Esprit, mais tu négliges que tu as un ennemi, Satan, tu es déséquilibré. Et lorsque tu es tout le temps Satan, tu oublies qu'il y a le Saint-Esprit, tu es déséquilibré. Lorsque tu es tout le temps démon, mais tu oublies qu'il y a les anges, tu es déséquilibré. Et lorsque tu es seulement ange, tu oublies qu'il y a les démons, tu es également déséquilibré. Voici. Nous sommes comme les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte. Ils ont travaillé pendant des années pour Pharaon afin de bâtir des pyramides. Tout d'un coup, Moïse vient, il les délivre et ils sortent de l'Égypte. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a pris les meilleurs chars, les meilleurs guerriers pour les poursuivre afin de les ramener en Égypte. Nous étions en Égypte, dans le monde, dans le péché, et nous avions des pyramides à construire, des pyramides de péché, des choses mauvaises à faire pour Satan. Et un jour, Jésus-Christ, qui est plus que Moïse, est venu et il nous a sortis de là. Mais malgré qu'il nous a sortis de là, celui que nous servions auparavant, Satan, le Pharaon, a pris ses meilleurs démons, a pris des autorités, des dominations maléfiques, afin de nous ramener dans le monde. Si tu ne sais pas, depuis que tu t'es converti, il y a un plan satanique contre toi de te ramener en Égypte. De t'empêcher de jouir de ta délivrance, de ta libération. De t'empêcher de bénéficier du salut que tu as en Jésus. C'est cela le plan de l'ennemi. Et face à ce combat que les chrétiens ont face aux puissances de ténèbres, Paul maintenant enseigne sur les armes spirituelles. Amen. Voici d'abord ce qu'il dit. Au verset 10, nous sommes dans l'étude biblique. Amen. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Avant de parler des armes spirituelles, Paul ne va pas parler des armes d'abord, mais il parle du Seigneur. Pour dire quoi? Bien-aimé, il n'y a pas de force en dehors de Dieu lui-même. Tu ne peux pas aller contre Satan par toi-même. Tu ne peux pas aller combattre le diable par toi-même. Seul devant le diable, sans Dieu, tu es foutu. Amen. Hein? Si Jésus te laisse une seule seconde toi-même face à Satan, il t'anéantit totalement. Amen. Hein? C'est pourquoi avant d'aller combattre le diable, tu dois te fortifier dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Tu dois te fonder sur Jésus, car ce n'est pas par ta force que tu chasses les démons, ce n'est pas par ta force que tu t'opposes à Satan, mais c'est par la force que Jésus-Christ te donne. Amen. Ça veut dire encore, si tu es déconnecté de Jésus, n'ose pas chasser le diable. Si tu n'es pas en communion avec Jésus, ne chasse pas le diable. Paul commence pas en nous disant « chassez les démons, exercez les armes spirituelles ». Il dit « au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante ». Avant de combattre le diable, de combattre les démons, tu dois te fortifier en Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu attaques l'ennemi sans être en Christ et sans être en communion avec Jésus, tu es comme Israël qui va en guerre contre Haï sans Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé à Israël lorsqu'ils ont combattu la ville de Haï sans Dieu? On les a tabassés. Amen. Tu peux chasser des démons comme tu veux.
Mais un jour, tu te déconnectes de Jésus-Christ, un tout petit démon te résistera parce que les démons ne partent pas à cause de ton visage, mais à cause de ta communion. Alléluia. Et il dit encore, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Maintenant, il dit, revêtez-vous. On dit quoi? Dieu va te revêtir. Il faut bien lire la Bible calmement. Amen. Hein? Voici un secret que je vous donne quand vous lisez la Bible. Amen. Hein? Lis la Bible lentement. La Bible, on la lit lentement. Tu t'arrêtes sur les virgules, tu t'arrêtes sur les points, tu t'arrêtes sur les ou le. Amen. Hein? Comme on dit par exemple, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Est-ce qu'on dit les fruits de l'esprit? On dit le. Rien que le singulier change tout. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a pas plusieurs fruits. Il n'a qu'un seul fruit, mais qui a plusieurs parties. Alléluia. Alors si tu dis, tu lis vite, les fruits de l'esprit, non, arrête-toi lentement. La Bible, on la lit lentement. Encore, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Mais lorsque Jésus-Christ vient lire le livre d'Ésaïe, il s'arrête à une virgule, dit « pour annoncer une année du Seigneur », virgule. Parce qu'après la virgule, il est écrit « pour annoncer le jugement ». Comme il n'était pas venu pour juger, Jésus s'arrête seulement à la virgule pour dire « je ne suis pas venu juger pour l'instant parce que je suis venu dans la dimension de l'agneau ». C'est-à-dire que la virgule, depuis qu'on a commencé la virgule, jusqu'à aujourd'hui nous sommes dans la oh, la virgule de Dieu dure 2000 ans. 2000 ans de virgule. Mais quand Ésaïe prophétisait, c'est comme si tout allait s'accomplir directement. Mais quand Jésus vient, il arrête. Il a dit non, l'autre partie du verset, ce n'est pas maintenant. Et depuis qu'il a dit ça, nous sommes dans l'année de grâce. Une année qui a fait combien? 2000 ans. Dis à ton voisin, Tangaka Bible, malembe, malembe, malembe. Amen. C'est l'étude biblique, on doit vous donner l'envie d'aimer la parole. Amen. Vaut mieux que tu lises un seul verset par jour que tu as compris au lieu de lire tout un chapitre que tu n'as pas compris. Amen. Hein? Un secret. Vaut mieux que tu lises un seul verset. Tu comprends le, tu comprends la phrase, tu comprends le mot, tu comprends la conjugaison, tu comprends l'esprit qui est derrière que de lire tout un chapitre non compris. Amen. Hein? Dans la Bible, malembe, malembe, poyote mutokoma, yango. N'est-ce pas qu'il y a des SMS qu'on nous envoie ces derniers temps? Tant que tu n'es pas arrivé jusqu'au bout, tu as peur, n'est-ce pas? Il y a un SMS qu'on envoie aux gens ces derniers temps. Vraiment, je suis déçu par toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu es en train? Quand tu lis ça, tu dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais enfin, là-bas, on dit quoi? Vous savez ce qu'on dit, non? Alors, si tu t'arrêtes au début, qu'est-ce qui se passe? Tu auras un cœur rempli de peur, mais si tu vas jusqu'au bout, tu sauras que c'est une blague. Pareil aussi avec la Bible. Si tu lis les choses sans les mettre dans leur contexte, tu auras un prétexte. Et ne faites jamais, quand vous lisez la Bible, Seigneur Jésus-Christ, parle-moi, tu prends un doigt, tu ouvres la Bible en désordre, tu prends un doigt, tu mets à gauche et à droite, et puis tu combines les phrases pour connaître la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui a fait cela, il a jeté la Bible comme ça. Bah, il a dit, Seigneur, parle-moi, et puis il a fait. Et puis, il est tombé sur le verset qui dit « Et Judas alla et se pendit, et l'autre doigt était sur toi, va et fais de même. » Il a dit « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse l'esprit de mort, je détruis l'esprit de mort. » Mais lorsqu'il priait, il veut haïr quelqu'un. Il dit « Seigneur, est-ce que tu veux que je l'haïsse ou pas ?» Il ouvre, il tient là. Il dit « Tes ennemis vont fléchir devant toi. Amen !» Mais ce jour-là, il dit « Au nom de Jésus, esprit de mort, je te chasse. » Lisez systématiquement la Bible. Amen. On dit quoi ?« Revêtez-vous. » C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui va te revêtir, c'est toi qui vas te revêtir toi-même. On ne fait pas porter à un militaire la tenue, mais c'est lui-même qui la porte parce qu'il est mature.
C'est un enfant à qui on fait porter les vêtements. Mais un adulte, un militaire, on ne lui fait jamais porter la tenue. Et lorsque tu vas en guerre contre le diable, tu dois être mature spirituellement et il est supposé que tu sais t'habiller toi-même. Revêtez-vous, c'est ta responsabilité. Mais le soldat n'achète pas l'armure, mais c'est le gouvernement qui achète l'armure, mais lui doit porter l'armure qui est achetée par le gouvernement. L'œuvre de la croix a acheté les armes, mais c'est ta responsabilité qui les porte. L'œuvre de la croix a pourvu à toutes les armes spirituelles. Jésus a tout accompli pour que tu aies la provision de l'armure. Mais toi, tu dois entrer dans la garnison pour prendre et porter. La part de Dieu, c'est d'acheter pour toi et ta part, c'est de porter. Mais tu risques de ne pas avoir des armes parce que tu es paresseux pour porter et on risquera de croire que l'armée de Dieu est incapable d'acheter les Sokoto alors que c'est toi qui as la paresse et tu fais insulter l'armée de Dieu. Alléluia. C'est toi qui dois te revêtir. C'est-à-dire que les armes que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui va les mettre, mais toi, tu dois le vouloir. Amen. C'est-à-dire, Dieu va te proposer, prends ça. Il vient avec sa force, sa puissance, mais ta volonté aussi doit collaborer. Amen. Collaborer. Ce n'est pas que c'est toi qui va créer ces armes parce que Dieu les donne, mais toi, tu dois les prendre. Revêtez-vous des armes spirituelles, de toutes les armes de Dieu. Ce ne sont pas tes armes, ce sont les armes de Dieu. Amen. C'est pourquoi même si Dieu te donne un don spirituel, ce n'est pas ton don. C'est le don de Dieu que Dieu t'a prêté. Amen. Oh, mon don de prophétie. Toi, tu es prophète. C'est l'Esprit de Dieu qui est prophète, c'est pourquoi tu es prophète. Oh, mon don de guérison, toi tu guéris les gens, c'est l'Esprit qui guérit les gens, c'est pourquoi toi tu guéris les gens. Amen. On dit les armes de Dieu, on ne dit pas mes armes, on dit les armes de Dieu pour que tu ne sois pas orgueilleux. Quelle que soit ta dimension spirituelle, ne deviens jamais orgueilleux parce que ce sont les armes de Dieu, ce ne sont pas tes armes. Je répète, ce ne sont pas tes armes. Est-ce que tu as déjà vu un militaire qui est dans un auto blindé qui a coûté 2 millions de dollars et qui va avec dans le quartier pour staffer un auto blindé? Tu as déjà vu un militaire staffer avec une grosse mitraille pour dire que je l'ai acheté? Tu n'as rien acheté, on te l'a donné parce que tu es dans l'armée. Ne soyez jamais orgueilleux de prophétiser. Ne soyez jamais orgueilleux de connaître la parole. Ne soyez jamais orgueilleux d'avoir l'onction parce que ce sont des armes de Dieu. Ce sont des obus de l'armée. Il y a des armes qui coûtent des milliards et un militaire qui n'a même pas même 100 000 peut gérer une arme d'un milliard parce que ça appartient au gouvernement. Ton don appartient au royaume. Ton onction appartient au royaume. Ne deviens jamais orgueilleux d'un don de discernement des esprits. Ne deviens jamais orgueilleux d'une maîtrise de la parole de Dieu. Ne deviens jamais, pourquoi? Parce que ce sont les armes du gouvernement. Les armes de Dieu. Ce n'est pas ton arme, c'est l'arme de Dieu. Amen. Et la Bible dit, revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme. Tenir ferme, ça veut dire résister, ne pas reculer et ne pas chanceler. Amen. Voici. Israël, lorsqu'il vivait avec Dieu, il devait conquérir le territoire de Canaan. Mais pour notre part, le territoire de Canaan a déjà été conquis par Jésus. Notre place maintenant, c'est d'y rester. Israël devait conquérir, il devait entrer en Canaan parce qu'il y avait des puissances, des fils d'Anak, il devait conquérir. Mais pour notre part, Jésus-Christ a déjà dépouillé les autorités, les dominations, il a déjà tout accompli. Quel est notre combat? C'est de rester dans ce qu'on nous a donné. Vous comprenez, Ngaté? Tu es trop habitué à ce qu'on te dise, il faut conquérir. Moi, je te dis aujourd'hui, il faut garder. Parce que Jésus a déjà tout fait. Est-ce que Dieu te demande d'aller dépouiller les autorités et les dominations? Il a déjà fait pour toi. Est-ce qu'il te demande d'aller vaincre le diable? Il a déjà vaincu. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois garder la position d'héritier que Dieu te donne, la position de sainteté que Dieu te donne, la position de né de nouveau que Dieu te donne. Tu dois garder le salut qu'il t'a déjà donné. C'est pourquoi Paul dit, tenez ferme. Alléluia.
La victoire dans la vie chrétienne n'est pas d'entrer dans une chose, mais c'est de garder la chose dans laquelle tu es entré par grâce. La victoire dans la vie chrétienne, ce n'est pas entrer en Canaan, parce que Christ t'a déjà fait entrer en Canaan dans la promesse, mais ta victoire, c'est de rester dans ton héritage. Alléluia. Et la Bible dit, tenez ferme contre quoi? Les ruses du diable. Bien aimé, les ruses du diable. Les ruses du diable, ruse, c'est une intelligence utilisée dans le mal. Et les ruses du diable sont de très haut niveau. Pourquoi? Parce que nous connaissons des gens aussi sages que Salomon qui, en dépit de leur sagesse, sont tombés dans les ruses du diable. Vous imaginez un sage comme Salomon qui arrive à adorer des faux dieux. Quelle ruse du diable! Et comment est-ce que le diable l'a eu? Il a vu, il est sage, il est intelligent. Mais je ne saurais pas l'avoir par la sagesse et par l'intelligence. Quelle est sa faiblesse? Sa faiblesse, c'est qu'il aime les femmes, ça va. Je vais faire qu'il puisse épouser des femmes et épouser des femmes étrangères. Et ces femmes étrangères vont aller jusqu'à l'amener à adorer des faux dieux lorsqu'il va vieillir, quand il sera faible. Le diable patiente, il attend la vieillesse de Salomon pour faire de lui un idolâtre. Samson, il est en train de tuer ses ennemis comme il veut. Le diable étudie Samson. Il dit, comment est-ce que je l'aurai? Aucun homme ne peut le tabasser. Personne ne peut vaincre cet homme. Rien qu'avec une mâchoire, il est capable de tuer toute une armée. Comment est-ce que je vais faire? Il remarque encore dans Samson plutôt qu'il aime beaucoup les femmes étrangères, qu'il aime des femmes étrangères. Il dit, c'est bon, je vais le faire rencontrer une femme étrangère qu'il va beaucoup aimer et à qui il va révéler sa force. C'est comme ça qu'on a eu Samson. Frères, sœurs, pendant que tu vis avec Dieu, il y a quelqu'un qui s'appelle le rusé qui est aussi en train de t'étudier. Il y a quelque chose qu'on appelle dans l'armure le défaut de l'armure. Le défaut de l'armure, c'est, je donne un exemple, si je porte une cuirasse, amen, et en bas de la cuirasse, il y a une ceinture. Si je fais comme ça, qu'est-ce qui se fait? La cuirasse monte un tout petit peu, et entre la cuirasse et la ceinture, ma peau peut se faire voir. On appelle ça le défaut de la cuirasse. Le diable n'attaque que sur le défaut de la cuirasse. Quel est le défaut de ta cuirasse? Le défaut de ta cuirasse, c'est un domaine de ta vie qui n'est pas soumis à la parole de Dieu. C'est là où le diable attaque. Un domaine de ta vie qui n'est pas soumis à la parole de Dieu. Le défaut de la cuirasse. Où il voit là, il fait les choses comme Jésus. Là, il fait comme Jésus. Là, comme Jésus. Mais là, il ne fait pas comme Jésus. Lui, il va seulement se concentrer sur le défaut de la cuirasse. Amen. Vous savez dans la Bible, n'est-ce pas, qu'il y avait une guerre et il y a un roi qui s'était déguisé. Et on a tiré une flèche en l'air et la flèche l'a atteint où? Sur le défaut de la cuirasse, là où la cuirasse ne protège pas. Même Goliath, comment est-ce que David l'a vaincu? Les fils d'Anak protégeaient tout, mais sauf le front. Et c'est là qu'il avait été atteint. Le défaut de ta cuirasse, c'est un domaine de ta vie qui n'est pas sous la protection de Dieu. C'est un domaine de ta vie où tu es en rébellion contre Dieu. C'est un domaine de ta vie où tu t'opposes à la volonté de Dieu. Et le diable connaît ce domaine-là. C'est là que sa ruse va opérer. Et s'il doit prendre 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, même jusqu'à ta vieillesse, il cherchera seulement là. C'est pourquoi, mes frères, renoncez à tout défaut de cuirasse. Alléluia. Renoncer à tout défaut de cuirasse. On appelle cela le talon d'Achille. Vous connaissez l'histoire d'Achille? Achille était un homme très fort, très puissant, qu'aucun homme ne pouvait vaincre. Mais il était vaincu comment? Rien qu'une flèche l'a eu au niveau du talon. Il a saigné et il est mort. Lui, l'homme fort, est mort parce qu'on a touché sa cheville. Et il dit les ruses du diable. Le diable, on le présente dans la parole de Dieu comme un serpent. Un serpent ne marche jamais tout droit. Il marche toujours comme ceci. Ça veut dire quoi? Satan peut avoir le projet
de t'amener à abandonner ta foi, mais il n'attaque pas ta foi. Il te donne beaucoup d'argent et tu es tellement distrait par l'argent que tu as maintenant des faiblesses dans la prière jusqu'à ce que tu perdes la foi. Il va comme ça. Il peut attaquer ta foi, mais il n'attaque pas directement ta foi. Il te met dans un mauvais environnement de personnes qui commencent à t'étouffer progressivement jusqu'à ce que tu abandonnes la foi. Parce qu'il sait que s'il vient directement, il te dit abandonne la foi, tu ne le feras pas. Il va venir comme s'il n'a pas besoin que tu abandonnes la foi. Il te dit seulement de diminuer la prière. Il te dit tu pries beaucoup. Il te dit de baisser la consécration, tu exagères. Il te dit seulement ça. Il te dit continue à prier, mais diminue un peu, tu exagères. Mais il sait que s'il diminue le feu de ta prière, il peut s'approcher de toi jusqu'à t'anéantir. C'est un rusé. Faites très attention. Seul devant les ruses du diable, vous ne pouvez rien. Il a vaincu des gens plus spirituels que vous, plus forts que vous, des grands prédicateurs, des rois, des prophètes, des puissants serviteurs de Dieu. Quand tu lis l'histoire du réveil, des grands hommes que Dieu a utilisés, on parle des pièges dans lesquels ils sont tombés. Tu ne peux pas le croire. Des hommes qui sont capables de ressusciter des morts, de faire des miracles impossibles, mais qui tombent dans la drogue. Vous imaginez, il y a un prédicateur aux États-Unis qui est mort. On l'a retrouvé drogué dans sa chambre. Il est mort. Alors qu'il priait les jambes poussées. Vous imaginez ? Dis à ton voisin, fais attention. Et si pendant que je prêche, tu es déjà en train de subir une ruse du diable, fais très attention, car lorsque le serpent t'entoure de sa queue, sache que la tête va te mordre. Quand le serpent t'entoure de sa queue, sache que sa tête te mordra. Lorsque tu es en train de subir la ruse du diable, sache qu'il te mordra. Et pourquoi est-ce que nous recherchons, nous devons nous revêtir des armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable? Diable veut dire calomniateur. Amen. Le diable est un calomniateur, c'est un accusateur, car il accuse les chrétiens auprès de Dieu. Oui, Satan accuse les chrétiens auprès de Dieu. La Bible nous dit qu'il a accusé Josué devant Dieu. Amen. C'est-à-dire, il vient devant Dieu et dit, regarde ton serviteur, regarde ce frère que tu as béni, regarde comment tu l'as béni, vois, il ne prie plus. Regarde ce frère, il a gêné prier, voilà comment il pleurait. Tu viens seulement de le bénir un tout petit peu, il t'a oublié. Laisse-moi le toucher, laisse-moi le toucher. Oh non, le touche pas. Non, Seigneur, il est écrit dans ta parole que ton ange campe autour de ceux qui te craignent. Est-ce que lui te craint? Il te craigne pas. Enlève ton ange, moi je dois le toucher. C'est comme ça que Satan opère. Calomniateur. Il envoie des calomnies contre toi. Ou des fois, tu n'as pas fait une chose, mais tout le monde dit que tu as fait cette chose. Bien-aimé, vous êtes en lutte contre quelqu'un qui, si il te pousse à commettre un péché, tu ne le commets pas, il répand la nouvelle que tu as commis le péché. Maintenant, quant à toi, si tu sais que tu ne l'as pas fait, ne te laisse pas distraire, continue ta route, car il est impossible que... qu'il est possible que tu sois un coureur en train de gagner la course. Imagine, tu cours, c'est toi le premier. Mais dans les pourtours, on est en train de crier, regarde-le, il a une grosse culotte qui ne le va pas. Mais c'est toi le premier. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu es immature, tu vas t'arrêter. Boni bofing a coupé nanga keba. Mais pendant que tu te chamailles, tu ne seras plus premier, tu seras dernier. Concentre-toi sur ta course. Le diable sait que s'il te distrait, il te vaincra. C'est pourquoi des fois, on dira des choses sur toi que tu n'as pas fait, mais on le dira quand même. N'est-ce pas que Jésus était traité de Belzéboul? Amen. On a dit que Jésus chassait les démons par Satan. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est concentré sur la croix. Il est mort. Il a dit tout est accompli. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Tel qu'il est, tel nous sommes aujourd'hui. Tu dois faire comme lui, car il n'y a point de disciple qui soit supérieur à son maître. Alléluia. Le diable. Celui qui te combat s'appelle le diable. Tu peux entrer dans une chambre, tu es en train de prier pour une sœur. Quand tu sors, tout le monde dit que tu as couché avec elle. Amen.
c'est le diable. Amen. Hein? Tu peux faire des choses, on dit que tu as la magie, c'est le diable. Mais si tu sais que tu n'es pas dans la magie, que tu n'es pas dans l'impudicité, tu ne t'en occupes pas, Dieu va te justifier. Continue ta route, continue ton chemin. Pourquoi? Tu es en train de combattre les ruses du diable. Voici alors. Il est impossible de combattre les ténèbres tout en étant dans les ténèbres et il est impossible de vaincre le diable tout en étant le diable. Car il y a des chrétiens qui sont des diablotins, ça veut dire des chrétiens calomniateurs qui calomnient les autres, qui disent des choses sur les autres sans les preuves. Une fois que tu vis dans la calomnie, tu n'as point de puissance contre le diable parce que tu es son fils. Il y a des gens qui chassent les démons ne partent jamais parce qu'ils sont les petits frères des démons. Le diable est un calomniateur qui invente des choses sur les autres, qui confirme des choses qui sont fausses. Et toi, tu es un chrétien, tu confirmes des choses sur les autres qui sont fausses. Tu ne peux pas vaincre le diable parce que tu es son disciple. Voyez le combat spirituel, c'est cela. Tu ne peux pas vaincre celui qui te ressemble, tu ne peux pas vaincre celui qui est ton père. C'est de l'impolitesse. Ah oui, c'est pourquoi les démons avaient tabassé les fils de Xéva parce que c'était des petits frères très impolis qui chassaient les yaya. Alléluia. Lorsqu'ils ont commencé à chasser leurs grands frères les démons, ils ont dit, nous connaissons Jésus et qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous êtes des petits à nous. Ils ont corrigé leurs petits frères parce qu'ils étaient en train de chasser le calomniateur tout en étant eux-mêmes des calomniateurs. C'est pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a point ses œuvres en moi. Pourquoi? C'est un principe spirituel. Pour chasser le prince de ce monde, tu ne dois pas avoir le monde en toi. Alléluia. C'est pourquoi tu remarques qu'il y a certains, ils chassent tout le temps, ils coupent, rien ne se coupe. Amen. Mais d'autres, d'ailleurs, ils ne coupent pas. Ils disent seulement Jésus, tout se coupe. Pourquoi? Parce que Dieu est dans la nature, il n'est pas dans l'exercice. Alléluia. Et la Bible maintenant dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, je vais en parler à la fin de mon message et Dieu m'a donné vraiment une forte révélation à ce sujet. Je vais en parler à la fin. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang comme l'ont fait Israël. Israël, son combat était à la fois physique et spirituel parce qu'il devait combattre des armées physiques. Mais nous, nous ne combattons pas des armées physiques, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dites les lieux célestes. Quand on dit lieux célestes, ce n'est pas le ciel. Le ciel a plusieurs dimensions, le ciel a trois dimensions. Il y a des gens qui ne veulent pas que j'utilise le terme dimension sur Internet. Pour eux, si tu dis dimension, tu es occultiste. Amen. Donc si tu dis dimension, occultisme. Ah, qu'on enlève ce mot alors dans les français. Amen. Quel est le mot qu'il faut dire à la place de dimension? Niveau, hein? Ça va, niveau. Je ne veux pas de problème. Amen. Au ciel, il y a des niveaux. Ah Seigneur, aide-nous. Au ciel, il y a des niveaux. Il y a le premier niveau du ciel, c'est le ciel que nous voyons. Amen. Et au-delà de ce ciel que nous voyons, il y a un autre ciel qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle le deuxième ciel. C'est là où l'ennemi a mis son quartier général. Amen. Les gens des mondes de ténèbres appellent ça le monde pandemonium. Amen. Un monde de désordre. Et il y a le troisième ciel où se trouve le trône de Dieu. Le premier ciel est visible, mais les deux autres sont invisibles. Maintenant, Paul dit, étant sur cette terre, nous combattons les autorités, les dominations qui sont dans les lieux célestes. Amen. Hein? C'est-à-dire des puissants de ténèbres qui, tout en étant dans le deuxième monde, influencent ce monde-ci. Amen. Et face maintenant à ces puissances des ténèbres, car, pour ceux qui ne savent pas, ce ne sont pas tous les démons qui entrent dans les corps des gens. Ce ne sont pas tous les démons qui viennent habiter dans les corps des gens. C'est comme dans une armée. Est-ce que tous les généraux vont à la guerre? Le général, certain, il est chez lui à la maison avec un très gros ventre, n'est-ce pas? Mais il dit, attaquez!
Et les gens vont, ils viennent. Combien de morts? Combien de morts? 1000 chez eux, 2 chez nous. Amen. Mais il est dans l'armée. Et dans le monde de ténèbres, c'est pareil aussi. Il y a des esprits qui, eux, gèrent des territoires, mais dans les corps des gens, ce sont des esprits impurs, ce sont des petits esprits qui entrent dans les corps, parce qu'eux, ils peuvent être dans un corps sans que ça puisse créer un vide. Mais comme les démons et le diable ne sont pas omniprésents, ils ne peuvent pas habiter dans un corps, car le fait d'habiter un quinois fait que tu habites Kinshasa. Ah, t'as pas compris. Non, bon, on a l'ingala. Yokabo, on a l'ingala. Satan a akoki ko fana na kati ya kinoa te. Po soka fani na kati ya kinoa komi kinoa. Siko ndeni ya rojere shin. Me Saint-Esprit ko fana na kati ya kinoa ma rojere shin. Oh, tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Yenda raba ba 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 ba. Il est en moi, il est en toi, il est au Congo, il est en Bagdad, il est en Chine, il est aux États-Unis. Pourquoi? Le Saint-Esprit est Dieu, mais le diable n'est pas Dieu. C'est pourquoi il n'entre pas en toi, parce que s'il entre en toi, on remémène à l'emba. Membro sakayaba shikarebo sandayaba shandalaba basaya. C'est ça le bonheur d'être chrétien. Alléluia. Maintenant, il envoie des esprits impurs qui maintenant, eux, ils peuvent entrer dans les corps. Et puis les principautés, les dominations, contrôlent des territoires, contrôlent des nations. Et lui, il contrôle tout. Et même cette organisation qu'il a faite, il n'a fait que copier ce qu'il a vu auprès de Dieu. Parce que le diable ne crée rien. Il fait comme les Chinois. Il copie seulement ce que les Américains et les Japonais font. Akai, il fait Ake. Amen. Et maintenant, parlons de ces armes. Dis sept armes spirituelles. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Est-ce qu'on dit prenez certaines armes? Il faut prendre toutes les armes de Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu as 6 armes, tu manques une arme, le diable va t'attaquer là où tu manques une arme. Si tu as 5 armes, tu manques 2, le diable va t'attaquer là où tu manques 2. C'est comme un militaire. S'il a protégé sa poitrine mais n'a pas protégé sa tête, on va attaquer la tête. S'il a protégé la tête et n'a pas protégé les pieds, on va attaquer les pieds. Bien-aimés frères, dans la spiritualité, on ne choisit pas les choses, on prend tout. Dans les choses de Dieu, on ne choisit pas. C'est comme il y a des gens, ils n'aiment pas les légumes, ils mangent seulement la viande. Amen. Ils n'aiment pas le lait, ils boivent que le thé. Ils n'aiment pas le thé, ils n'aiment que le lait. Mais dans les choses de Dieu, on mange tout ce que Dieu met sur l'assiette. Je dis avec Dieu, on mange la totalité de ce qui est mis sur l'assiette. Sinon, tu auras un régime spirituel déséquilibré et tu auras des maladies spirituelles. Sinon, tu auras un régime spirituel déséquilibré. Ne soyez pas des gens, moi j'aime le mercredi, je n'aime pas le vendredi parce que là c'est comme l'école. Tu es déséquilibré, tu aimes trop la viande, tu n'aimes pas les légumes. Ne soyez pas des gens, moi j'aime seulement la sainteté, je n'aime pas l'adoration. Aimez l'adoration, aimez la louange, aimez la prière, aimez l'enseignement, aimez la prédication, aimez lire la Bible, aimez le jeûne, aimez la prière, aimez l'évangélisation, aimez le suivi, aimez l'offrande, aimez tout ce qui est écrit dans la parole. La Bible dit, portez toutes les armes de Dieu. On ne dit pas choisissez, on dit portez. Non, moi, j'étais venu dans cette église seulement pour que Dieu résolve mes problèmes. Non, tu n'as pas à choisir que Dieu te bénisse seulement. Tu dois aussi aimer la sanctification. Moi, j'étais venu pour qu'on puisse seulement m'aider. Non, dans l'église, on aide les gens, mais aussi on va t'aider à être brisé. Amen. Hein? Dieu est celui qui brise, qui élève. Tu ne vas pas aimer l'élévation, tu refuses le brisement. Tu dois tout accepter. Le temple de Salomon était fait de 2 colonnes. Une colonne qui s'appelait Boaz, qui veut dire la puissance. Une autre Yakin, qui veut dire le caractère. Tu dois aimer les choses qui brisent ton caractère et les choses qui te bénissent. Ne choisissez pas dans les choses de Dieu. Pourquoi? Là où tu choisis et tu abandonnes une chose, c'est là où que se trouvera ta faiblesse. N'est-ce pas que vous connaissez des équipes qui sont très très fortes en attaque mais faibles en défense, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive? Elles ont tout le temps des buts. Vous marquez 5 buts, on vous fait entrer 6 buts et vous perdez.
Quelle est la forte équipe? C'est celle qui est forte en attaque et en défense. Et un chrétien fort, c'est celui qui porte toutes les armes de Dieu. J'ai dit toutes les armes de Dieu. Yakoponezate, yakotikezate. Parce que quand je vais parler, tu vas dire, moi j'aime le bouclier de la foi. Bouclier, frère. Il y a des frères qui sont des frères boucliers. Lui, c'est moi la foi, frère. C'est un homme. Et la cuirasse, maintenant, où est-ce que tu la mets? Et la ceinture, où est-ce que tu la mets? Et les chaussures, où est-ce que tu la mets? Et le casque, où est-ce que tu le mets? Et l'épée, où est-ce que tu mets l'épée? D'autres, c'est moi des frères prière. La prière, mais ils n'ont pas d'épée. Ils vont dans la guerre avec des canifs. Beaucoup de prières. Il peut prier 2 heures du temps. Il n'a pas de verset dans la bouche. Il est dans l'arme prière, mais n'est pas dans l'arme épée. Quand il veut prier avec des versets, il trouve des chansons. Il met des chansons comme prière. Zambe bibonange kotoboka mkonini Yesu. Et ça sera verset biblique, hein? Deux. Le bas Bible. Toi qui es à l'université, tu fais le droit, tu maîtrises des articles et des articles, mais tu n'as même pas 2 versets dans la tête. Tu es un négligent et tu vas à la guerre avec des canifs spirituels. Les autres, le diable fait sortir des épées démoniaques. La Bible dit, il attaque avec des traits enflammés. Lorsque le diable t'attaque, ce sont des flèches qui ont le feu. Mais toi, face aux flèches qui ont le feu, Hosanna, canif. Alors, lorsque le diable lui sort des flèches enflammées, lorsque toi, tu n'as pas la connaissance de la parole, tu sors quoi? Une petite épée, un petit canif rempli des tout petits versets. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est ça l'hymne national des chrétiens. Mais maintenant, parlons des armes spirituelles. Si Dieu était un homme, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait commencer par une arme spirituelle très très grande, le bouclier de la foi. Parce que le bouclier, en ce temps-là, dans la guerre, c'était une arme qui protégeait tout le corps. Il y avait des armées comme les armées romaines, dont les militaires avaient des boucliers derrière lesquels ils pouvaient se cacher totalement. Je crois que vous avez déjà suivi les bandes dessinées d'Obélix et Astérix qui combattent les Romains et comment est-ce qu'ils pouvaient mettre des boucliers ensemble qui devenaient même presque des maisons. Amen. Donc le bouclier était tellement grand que le soldat pouvait se protéger. C'est pourquoi la Bible dit « Mettez au-dessus de toutes ces armes le bouclier ». Mais la Bible ne commence pas par cette arme qui est très grande. La Bible commence par quoi? La ceinture de la vérité. Amen. Vous imaginez ça? Il vient parler à un militaire de ses armes. Il ne commence pas par l'épée, bouclier, non. Il part de la ceinture. Vous voyez la ceinture? Elle paraît rien du tout. Mais elle est très importante. Parce que si on enlève la ceinture d'un militaire, qu'est-ce que ça fait? Sa jupe tombe et du coup, un homme qui a honte, il peut se battre. Alléluia. Tu es très très fort, tu veux combattre quelqu'un, il enlève seulement ta ceinture et puis tout tombe. Est-ce que tu vas donner un coup? Tu vas faire quoi? Récupérer. Pendant que tu veux récupérer, on te tue. Une si petite chose, mais qui peut amener ta honte et te détruire. Et la Bible dit, mettez à vos reins la ceinture. Les reins dans la parole de Dieu symbolisent l'homme intérieur. Quand on dit, mets à tes reins, les reins, ce n'est pas les reins physiques, c'est l'homme intérieur. C'est-à-dire que ton homme intérieur soit sain de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la révélation de la parole que le Saint-Esprit te donne, qu'on appelle le Réma. Si tu veux combattre le diable, tu dois avoir dans ton homme intérieur la révélation de la Bible par le Saint-Esprit. Il faudrait permettre au Saint-Esprit d'éclairer la Bible pour toi et te la donner, et toi tu la pratiques. Ces derniers temps par exemple, Dieu est en train de t'enseigner quelque chose, c'est ça la vérité. Il y a des choses que tu ne connaissais pas avant, mais ces derniers temps, tes yeux s'ouvrent par rapport à des vérités de la parole de Dieu. C'est ça la ceinture de la vérité. Pratique ça, c'est ce qui va te donner la victoire. Amen, hein? Oh, j'aimerais dire quelque chose. Ne soyez jamais en retard par rapport aux nouvelles ceintures. Manto bro sakaya. Il y a des choses que Dieu t'a enseignées l'année passée, mais il y a d'autres que Dieu vient d'ajouter cette année. Entre dans les nouvelles vérités parce que les nouvelles vérités engendrent des nouvelles victoires.
Les nouvelles révélations engendrent de nouvelles victoires. Pourquoi? Les vérités sont des clés qui ouvrent des portes. Alléluia. Frères et sœurs, ne soyez pas attachés seulement aux connaissances d'hier, mais lorsque Dieu t'enseigne des choses nouvelles, entre dans ces choses nouvelles et tu auras la victoire sur des esprits nouveaux. C'est cela la vérité. La vérité aussi, c'est le fait que tu ne dois jamais mentir, bien aimé. Si tu veux combattre le diable, ne mens jamais. Un chrétien qui vit dans le mensonge et qui veut combattre le diable est comme un militaire qui combat sans jupe. Un militaire qui combat sans jupe, lorsque tu vis dans le mensonge, mais tu aimes chasser les diables et les démons, tu es comme un militaire qui est en train de se battre, en train de tenir son pantalon. Pourquoi? Parce que le pantalon est en train de descendre. Quand tu vis dans le mensonge, tu ne peux pas vaincre le diable parce que le diable est lui-même le père du mensonge. Comment est-ce que toi qui es le fils du mensonge, tu veux chasser le père du mensonge? Dis à ton voisin, ne mens plus jamais. Même si cette vérité va t'amener des problèmes, dis la vérité. Quand tu mens, ton cœur sait que tu mens même quand tu dis des demi-vérités. Je veux vous parler des demi-vérités. Vous êtes là? Est-ce que je peux déborder de 15 minutes aujourd'hui? Na te abino kalata, na rattraper eta. Na za nyongwa 40 jours. Voici une demi-vérité. Parce que les chrétiens ne mentent plus. Ils sont devenus champions en des demi-vérités. Jésus-Christ rencontre la femme samaritaine. Il lui parle et puis elle désire boire l'eau. Jésus-Christ lui dit, va, amène ton mari. Amen. La femme maintenant répond à Jésus, je n'ai pas de mari. Est-ce qu'elle avait menti? Est-ce qu'elle avait dit toute la vérité? C'est comme ça que vous mentez maintenant les chrétiens d'aujourd'hui. Au cosité peu le bisolo, t'es aux encatcats. C'est ça les nouveaux mensonges des chrétiens. Ils ne mentent pas, mais ils ne disent pas aussi la vérité. On lui pose la question, amène ton mari, on lui dit amène ton mari. Il dit, elle dit, je n'ai pas de mari. C'est vrai, mais quelle était la vérité de sa vie? Elle avait un mari qui n'était pas son mari. Mais elle donne une vérité qui empêche de dire la vraie vérité. Maintenant, comme Jésus-Christ a opéré dans la prophétie et dans la parole de connaissance, il révèle que c'était une demi-vérité. Il dit, tu as dit la vérité, car le mari que tu as. Oh, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Car le mari que tu as n'est pas ton mari. Et d'ailleurs, tu as eu 5 maris. En ce temps-là, les rabbins permettaient aux femmes de se remarier maximum 2 fois. Elle s'était déjà remariée combien de fois? 5 fois. Donc, elle avait même brisé même la loi des rabbins. Wana l'obité. Yasukikara, Nazambalite, mais ni Nazobonamase, Yemorayebi. Nengeyopozala. Tu viens d'où? Je viens de Limete. Mais Limete, si tu venais de faire quoi? Oti boîte de nuit. Wano lobate. Oti Limete. Est-ce qu'on cosu? Okoste. Yemorayebi, oti bar, mais ça n'a limité. Bar en Wesaf. Et ça a limité. Est-ce que bar en Wesaf limité? Et ça n'a limité. Est-ce que n'a cosu? N'a limité. N'a limité. Est-ce que n'a cosu? Boîte de nuit, ils allument allumé. Non, mais quand on t'a posé la question, tes parents t'ont posé la question, ce n'était pas de connaître la rue, mais c'était de connaître l'endroit véritable. Et toi, comme tu veux éviter, qu'on t'attrape, tu donnes une moitié de vérité, fils du diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nakati, obina. Obina kwasa spirituel. Arrêtez de mentir. Comment tu peux savoir que tu mens? C'est lorsque tu dis une chose et ton cœur te condamne. Tu as menti. C'est quand tu dis une chose mais tu dois te fortifier. J'ai dit. Maintenant d'autres disent c'est la haute sagesse. Ouais, ça, c'est la haute sagesse.
Oui, même Dieu avait dit à Samuel, lorsqu'il devait aller oindre David, de ne pas dire qu'il allait le oindre, mais de dire qu'il offrait une offrande. Toi, tu vas oindre quelqu'un? Et ainsi, des petits mensonges, mais ces personnes veulent vaincre le diable. Ils veulent délivrer leur famille de la sorcellerie. Ils veulent délivrer leur famille des puissants des ténèbres, mais ils ont des tout petits mensonges qui ressemblent à des vérités. C'est pourquoi lorsque vous chassez le diable, il ne vous obéit pas parce que vous avez sa nature. Dis ceinture. Et après la ceinture de la vérité, on parle de quoi? De la cuirasse de la justice. Cette justice dont on parle, ce n'est pas la justice acquise par Jésus, parce qu'il y a deux justices. Il y a la première qui est la justice que Jésus te donne. Tu crois seulement en lui, il te déclare juste. Mais quand on dit revêtez-vous, là ce n'est pas la justice qu'on te donne, mais c'est une vie de sainteté pratique. Voici la cuirasse de la justice, une arme contre les démons. Marcher dans la justice, où tu vis dans l'honnêteté. Tu n'escroques personne. Tu ne voles à personne. Tu n'as pas de péché dans ta vie. La sanctification, c'est une arme spirituelle. C'est ça la cuirasse qui protège ton cœur. Lorsque tu vas chasser les démons sans une vie de sanctification, tu es comme un militaire qui n'a pas de cuirasse. Le péché que tu pratiques, c'est un trou dans ta cuirasse où quand tu attaques le diable, il calcule seulement là où il y a un trou dans ta cuirasse et il t'attaque. Lorsque de la nuit tu te réveilles, tu chasses. Les sorciers viennent, ils regardent ta vie. Qu'est-ce qu'il a de nous ici? Il a quoi? Ah oui, regardez-le. C'est un colérique. D'ailleurs, il ne pardonne pas aux gens. Il ne pardonne pas. Attaquez-le seulement dans sa colère. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Dans ta colère, quelqu'un t'énerve. Mais si quoi, tindelio akufa lobi. Donc, tu fais la koufa lelo. Mais aïe abundi si okaka. Et dans ta colère, tu le donnes un petit coup. Il tombe, il meurt. Tu te retrouves à Macal. Il sait que tu es colérique et dans ta colère, il incite quelqu'un à te provoquer parce qu'il sait que tu es colérique. Il sait que tu réagis très mal et le jour que tu réagis mal, tu donnes seulement une petite gifle, la personne meurt. La cuirasse de la justice, une vie de justice, une vie de sainteté, une vie d'obéissance te permet de t'opposer aux puissances des ténèbres. Deuxième, troisième arme, on parle du zèle, des chaussures à vos pieds qui sont le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Dites évangile de paix. On ne dit pas le zèle que donne l'évangile. On dit le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de paix engendre un zèle de paix. L'évangile de paix ne donne pas un zèle amer, où tu as un zèle pour casser seulement les autres, pour casser les autres. Non, ça te donne un zèle de paix, où tu es zélé pour la paix, tu es zélé pour mettre les gens ensemble, tu es zélé dans l'amour. Amen. Hein? Et je vous assure, moi au début de mon ministère, j'avais un zèle, mais des fois un zèle bizarre. J'étais un pasteur, je pouvais me tenir ici. Je commence. Tel pasteur a fait ça, je le casse. Celui-là, je casse. Celui-ci, je casse. Celui-ci, je casse. Celui-ci, je casse. Préfet des disciplines, je tue, je casse. Même pas prier pour l'autre, ni intercéder pour l'autre. Je casse. Et quand on me haït, je suis content. Ah, je suis prophète Miché. Non, ce n'est pas ça servir Dieu. Servir Dieu, c'est relever les autres, c'est guérir les autres. Un serviteur de Dieu tombe, toi tu vas lui prêcher et tu le relèves. Bien-aimé, si tu tues quelqu'un, quelle récompense y aura au ciel? Mais si tu ramènes un autre serviteur de Dieu, tu as sauvé et lui, son ministère et l'église. Alléluia! C'est ça l'évangile de paix où tu travailles, tu marches, non pas pour détruire, mais tu marches pour unir. Tu ne quittes pas ici, tu vas là.
là-bas, tu critiques. Tu quittes ici, tu vas là-bas, tu détruis. Mais tu vas là-bas, tu évangélises. Tu donnes l'amour aux gens. Tu donnes l'amour aux gens. Tu vas dans les hôpitaux. Tu vas dans les prisons. Tu prêches Jésus. Tu donnes le bonheur aux autres. Le zèle aussi représente l'amour. Lorsque tu veux attaquer le diable, tu dois vivre dans l'amour et tu dois vivre dans la paix et tu dois avoir un grand amour pour le servir. Quelqu'un qui commence à se fatiguer de Dieu aura du mal à s'opposer au diable. Quelqu'un qui compte les choses qu'il fait pour Dieu aura du mal à s'opposer au diable. Quelqu'un qui compte toujours tout ce qu'il fait pour Dieu aura du mal à s'opposer à Satan. Le zèle. Sans chaussures, il est impossible de marcher comme il se doit lorsqu'on est un militaire, car on risque de se brûler les pieds, de marcher sur une épine, sur une pierre qui peut te blesser. Et sans le zèle de l'évangile, facilement le diable va te blesser. Pour un petit rien, tu vas te décourager. Pour un petit rien, tu vas abandonner. Une autre arme, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi protège la cuirasse, protège le casque, protège le reste. Et qu'est-ce que cette arme? Le bouclier de la foi te rappelle ce que Dieu est lorsque le diable te dit que Dieu ne t'aime pas. Bien-aimé, il y a des attaques démoniaques qui viennent seulement te dire que Dieu ne t'aime pas. Tu pries, rien ne marche. Le diable te dit Dieu ne t'aime pas. Depuis que tu commences à prier, des problèmes et des problèmes, le diable vient te dire Dieu ne t'aime pas. Tu regardes la vie du païen, tu regardes ta vie, c'est comme si lui l'est mieux que toi. Satan vient te dire, tu vois, ces choses-là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui peut te permettre de vaincre ces attaques du diable? C'est le bouclier de la foi, où tu sais que Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu ne ment jamais, où tu connais la nature de Dieu. Yebanzambe oyosale laka satanako zoyote. Alléluia! Mais quand tu ne connais pas le Dieu que tu pries, tu auras un petit bouclier. Le bouclier de la foi te permet de persévérer malgré les découragements de Satan. Une autre arme, c'est le casque du salut. Le bouclier te révèle ce que Dieu est, mais le casque te révèle ce que Dieu a fait. Je répète. Le bouclier de la foi te révèle ce que Dieu est et le casque du salut te révèle ce que Dieu a fait. Car le salut, c'est ce que Dieu a fait. Dans le combat du diable, n'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi. Jésus est mort pour toi. Amen. Des fois, le diable va te poser la question. Est-ce que tu crois que Dieu t'a pardonné tes avortements? Est-ce que Dieu t'a pardonné? Ça arrive. Tu commences à chasser le diable, il te rappelle tes péchés. Tu commences à chasser le diable, il te rappelle tes péchés d'hier. Qu'est-ce qui peut t'aider à le vaincre? C'est le casque du salut quand tu sais que Dieu t'a pardonné. J'aimerais vous dire que Dieu vous a pardonné. Si tu es chrétien, tu es pardonné. D'ailleurs, toi, tu n'as jamais avorté. Parce que Dieu a oublié. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création. Qu'est-ce qui peut t'amener à dire que tu es une nouvelle création? C'est le casque. Le casque renouvelle ton intelligence. Amen, hein? Tu n'es plus un meurtrier, tu n'es plus un fils du diable, tu es un fils de Dieu à cause du casque du salut. C'est ce qu'on appelle l'assurance du salut. Je ne vois pas là où on a écrit mon nom dans le livre de vie, mais je le crois. Je ne sens même pas toujours le Saint-Esprit, mais je sais que le Saint-Esprit est en moi. Je n'ai pas le film de la crucifixion de Jésus, mais je crois qu'il était crucifié. Je n'ai même jamais été en Israël pour voir le tombeau vide, mais je sais que le tombeau est vide. Je n'étais pas là lorsqu'il a dépouillé les autorités, les dominations. Mais na zondi mayango, bien aimé, liboma wana nderobi kisayo nabi, liboma wana nderobi kisayo. Alléluia. Si tu commences à réfléchir humainement, tu vas tomber. Pourquoi? Parce qu'avec l'armure de Saül, tu ne peux vaincre Goliath. Tu ne peux vaincre Goliath qu'avec l'armure du berger, qui est l'armure de Dieu. Si tu vas vaincre le diable avec le raisonnement intellectuel, tu seras comme David qui porte l'armure de Goliath. Mais si tu veux le vaincre, tu dois avoir l'armure de la folie. Yo benganga yo, yo benganga yo, hein? Yo penza, yo mutondo langwa na baba, abinga ngando langwa te. Oya bando langwa kufa, oya si om tumususu. Le casque du salut, le casque du salut.
Un jour, mes frères, des hommes de Dieu sont venus dans notre église, ils ont prêché. Ils ont prêché des choses que je ne connaissais pas. Et je me suis retrouvé dans ces choses. Et puis, quand on m'a appelé, parce que j'étais intercesseur, on a dit, Marcelo, frère Marcelo, viens prier pour les démoniaques. J'ai dit, non, je ne peux pas prier, parce que moi-même, je me retrouve dans ces choses. Amen. Hein? Oui, il ne faut pas aller soigner les gens lorsque tu as une plaie ouverte, tu risques d'être infecté. Alors, je suis allé moi-même devant. On a prié pour moi. J'ai cru que Dieu m'a pardonné. Je suis rentré. J'ai dit, donnez-moi les démoniaques, je vais chasser. On dit, oh, comment tu as changé? J'ai dit, non, celui-là qui était venu, ce n'est plus lui. Ça, c'est un nouveau. Dieu m'a pardonné. J'ai ordonné aux démons, ils sont partis. C'était quoi? Le casque du salut. Si Dieu te pardonne, tu es pardonné. Si Dieu oublie, il a oublié. Chanda, écoute. Voici comment le diable opère. Tu commences à prier et ta prière devient puissante. Elle devient puissante. Et Dieu va t'exaucer. Il dit, comment on va faire? Rappelons-lui sa vie passée. Tu commences maintenant à penser, c'est ce que tu faisais, c'est ce que tu faisais. Et puis tu dis, je suis indigne, hein? Dieu ne peut pas faire ça pour moi. Il ne peut pas faire ça pour moi. Avec tout ce que j'avais, il ne peut pas faire pour moi. Hein? Et bon, pourquoi? Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas de chouchou. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Le casque du salut. C'est pourquoi des fois, quand tu pries, prends le temps de dire à Dieu merci pour ce qu'il a fait. Je suis une nouvelle créature. Hallelujah. J'ai le Saint-Esprit. Hallelujah. Là, le diable est en colère. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Hallelujah. Si je meurs maintenant, je vais dans le paradis. Hallelujah. Et si Jésus revient, je serai enlevé. Hallelujah. Seigneur, merci pour le corps glorieux que tu vas me donner bientôt. Hallelujah. Je te remercie parce qu'il y a ma maison au ciel. Hallelujah. Je suis l'épouse de Jésus. Hallelujah. Bientôt, je vais voir la nouvelle Jérusalem céleste. Aussi, au monde, n'a pas besoin au monde en côté. Papa est fidèle. Hallelujah. C'est ça, le casque du salut. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu as cette dimension, jamais la culpabilité ne te vaincra et jamais tu ne rappelleras Dieu ce qu'il a déjà oublié. Car des fois, c'est toi-même qui viens rappeler à Dieu ce qu'il ne sait plus. Seigneur, tu sais mon péché que j'ai fait il y a 2 ans. Lequel? Le péché là. Boni, bo, écoute. Est-ce qu'on conduit une voiture en permanence avec le rétroviseur? Remis chauffeur à Makassi, au Kumbarana rétroviseur, Kavino Akala. Quand Dieu veut te bénir, Seigneur, je suis indigne. Nous tous, nous sommes indignes. Nous tous, nous sommes indignes. Oh, acclame Dieu pour son salut. Hallelujah. Une autre arme, c'est ce qu'on appelle l'épée de l'esprit. Est-ce qu'on dit ton épée? L'épée de l'esprit. Ce n'est pas ton épée, mais c'est l'épée de l'esprit. Ça veut dire quoi? C'est l'épée que le Saint-Esprit manie dans ta vie. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas utiliser la parole de Dieu selon toi. Tu dois utiliser la parole de Dieu dirigée par le Saint-Esprit. Si tu utilises la parole sans le Saint-Esprit, cette parole va tuer les gens. Par exemple, la Bible dit que quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas le saluer. C'est écrit, non? Quelqu'un qui se dit frère, mais qui demeure dans le péché, ne le salue pas. La parole le dit. Maintenant, si tu prends cette parole, tu l'appliques comme ça en désordre, tu vas tuer les gens. Parce qu'il est aussi écrit, vous qui êtes forts, supportez ceux qui sont faibles. C'est l'esprit qui va te dire quand est-ce que tu dois appliquer cette parole-là et cette parole-ci. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit peut te dire, cette nuit, tu vas seulement prier avec ce verset-ci. Seulement ce verset. Ne cherche pas un autre verset. Prie. Comme quand j'étais en retraite, Dieu m'a dit seulement, concentre-toi sur le verset qui dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. C'était mon verset principal. J'étais seulement dans ce verset. Pourquoi? C'était l'épée que l'Esprit m'avait donnée. Lis la Bible et Dieu viendra dans la connaissance de la Bible que tu as pour te donner au temps convenable le verset dont tu as besoin. C'est comme avoir dans un magasin, tu as du lait, tu as du sucre, tu as tout. Maintenant, quand tu as besoin de fruits, tu vas dans le magasin, tu prends le fruit.
Plus tu as une grande provision, plus tu auras des révélations diversifiées. Mais si maintenant dans ton magasin, il n'y a que de sucre, tu auras du diabète. Et s'il n'y a que la bouillie, tu seras dans Alpha 40 permanent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire toute la Bible, tu mets ça dans le magasin. Maintenant, quand tu pries, le Saint-Esprit te donne Jean 10, 10. Il dit, déclare, tu déclares. Le Saint-Esprit te donne des psaumes, tu déclares. Mais si tu n'as pas de parole, c'est ça. Yokama wa papa, kolala nanga na maboko na yo, kolamuka nanga na maboko na yo, lobipe na maboko na yo, papa, onzambi, yokama wa, amen. Amen. Et la dernière arme, c'est la prière, amen. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque un militaire avait une armure, il avait le casque, il avait le bouclier. Des fois, qu'est-ce qu'on fait? On doit nettoyer. Amen. On doit mettre de l'huile pour que ça glisse. Il faut tailler, aiguiser l'épée. Il faut enlever la poussière. Et il y a une arme qui soutient les autres armes, c'est la prière. Si tu as la foi, tu ne pries pas, ça ne va pas marcher. Si tu as la sainteté, tu ne pries pas, ça ne va pas marcher. Si tu as l'assurance du salut, tu ne pries pas, ça ne va pas marcher. Si tu as la connaissance de la parole, tu ne pries pas, ça ne va pas marcher. Si tu as le zèle de paix, tu ne pries pas, ça ne va pas marcher. Lorsque tu as toutes les 6 premières armes, tu dois maintenant ajouter une arme qui te permet de les utiliser toutes, ce qu'on appelle la prière. Pour ceux qui font le sport, tu peux faire la musculation, tu fais tout, mais tout le monde doit faire le cardio. Amen. Où tu dois transpirer, tu dois faire travailler ton cœur. Pourquoi? Pour soulever le poids, il faut le cœur. Pour travailler les cuisses, il faut le cœur. Il faut maintenant que tu transpires, que tu travailles ton système cardiaque afin de développer tes muscles. Il en est de même. Tu peux avoir la connaissance de la parole, tu peux avoir la foi, mais si tu ne pries pas, tu ne seras pas en bonne santé pour soutenir ces armes. Ces armes vont peser. La connaissance que tu auras va t'enorgueillir parce que tu ne pries pas. La foi que tu as va te détruire parce que tu ne pries pas, parce que tu crois beaucoup mais tu ne demandes pas beaucoup. Il faut que tu pries en permanence. Voici prier en permanence. Prier en permanence, ce n'est pas s'agenouiller de 24 heures à 24 heures, non. Prier en permanence, c'est compter tout le temps sur Dieu. C'est ça, prier en permanence. Prier en permanence, ce n'est pas s'agenouiller. Oh là, sinon tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas manger, tu ne vas rien faire. Mais c'est dans ton cœur, en toute chose, tu comptes sur Dieu. Oh Dieu, je m'abandonne à toi. Ou dans ton cœur, tu pries. Ou dans ton cœur, tu comptes sur Dieu. En tout temps, tu ne comptes pas sur toi-même, tu comptes sur Dieu. C'est être en permanence devant le trône, en train de t'attendre à lui. Un secret, mon frère. Si tu pries à la maison et tu dis « Amen », que ton amen soit seulement un amen de la bouche, mais ne dis jamais amen parce que tout le temps tu es en prière. Il y a des gens qui disent amen, nzam, tu écoutes en arabe lobby. Amen, nzam de lobby. Mais il y a des gens qui disent amen, c'est pour se lever, aller au travail, mais dans son cœur, il continue à prier. Alléluia. Continuez à prier même si vous êtes levé. Continuez à prier même si on a dit amen. Même quand vous sortez dehors, continuez à prier. Dans le taxi, tu pries. Partout, tu pries dans ton cœur. Mais des fois, même dans le sommeil, n'est-ce pas, ça t'arrive, tu te retrouves. Acclamons le Seigneur très fort. Je vais terminer par cette image. J'ai besoin de 10 frères de la chorale et je vais vous expliquer quelque chose. Approchez. Il y a des gens qui oublient tout, mais qui n'oublie jamais les images, et je te prie de ne pas oublier cette image. Oui, tenez-vous ici. Entourez-moi. Voici maintenant ce qui arrive dans le combat spirituel. Je ne suis pas le diable, amen. Mais j'avais dit, si je prends un frère, je dis, toi, tu es Satan. Il va dire, pasteur, à laquelle n'a ma bé. Amen.
Je ne suis pas le diable, mais supposons que ce sont des chrétiens qui attaquent l'ennemi. Lui, il a une grande foi. Lui, il a l'épée. Lui, il a le bouclier. Il a la cuirasse. Et ils sont tous en train d'attaquer le diable. Bozoba prise. Amen. Amen. Alors, quand les chrétiens sont tous concentrés pour attaquer les principautés, les dominations Satan, Satan sait que s'il attaque lui, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner un coup ici. S'il attaque celui-là, ceux-ci vont venir. Alléluia. Et à force d'attaquer, l'ennemi est par terre. Amen. Mettez vos mains sur moi. Lorsque nous sommes unis, nous vivons comme un corps, nous vivons comme des frères, nous vivons dans l'amour et nous savons que ton frère n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable. J'ai dit ton frère n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable. La Bible dit que nous ne combattons pas dans la chair. Nous ne combattons pas la chair et le sang, mais nous combattons les esprits. Ça, c'est la dimension d'une église qui a la révélation. Que mon frère n'est pas mon ennemi. Même si Dieu l'élève, même si Dieu le bénit, même si Dieu l'utilise plus que moi, sa bénédiction est ma bénédiction. Mon ennemi, c'est Satan. Quand l'église comprend cela et tout le monde n'attaque que le diable est à genoux. Le diable est faible. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il est mis par terre et il ne sait pas attaquer vos casques, il ne sait pas attaquer vos cuirasses, il attaque les chaussures. Est-ce que vous comprenez, Manoba? Il est par terre. Il attaque les ailes. On dit le zèle que donne l'évangile de paix. Maintenant, il change le zèle. Ce n'est plus le zèle que donne l'évangile de paix. Ça devient le zèle que donne un mauvais évangile de guerre. Où maintenant l'église compassion est en guerre contre l'église chapel de vainqueurs. Où l'église compassion est en guerre contre l'église Philadelphie. Où pendant que moi je prêche ici, au lieu de vous prêcher, je commence à prêcher contre le pasteur de Bethel. Où pendant que je prêche ici, au lieu de vous prêcher, je commence à prêcher contre le pasteur de l'église. Amen. Il nous attaque maintenant dans nos ailes. Ou ton but, c'est de renverser les ministères de l'autre. Ou ton but, c'est détruire ton frère de l'église. Ou ton but, c'est détruire ton frère. Ou quand tu pries, ce n'est plus de prier, je chasse le diable. Tu pries que Dieu tue les sorciers. Que Dieu tue les sorciers. Que Dieu tue les sorciers. Alors que le sorcier est une créature créée à l'image de Dieu. Maintenant, tout le travail, il fait quoi? Il renverse les ailes, il vole les chaussures et il nous donne un faux zèle. Et qu'est-ce qui se passe? Ce frère commence à se battre avec celui-ci. Celui-ci commence à se battre avec celui-là. Celui-là avec celui-là. Ces deux basangeliers. Binobo sangelae. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, ils m'ont où? Ils m'ont où? Ils m'ont où? Ils m'ont où? Il ment où? Il ment où? Et quand il m'oublie, je fais quoi? Je me relève. Et comme eux se battent, qu'est-ce qui se passe? Ils s'affaiblissent. Commencez à vous agenouiller. Est-ce que je les ai touchés? Qui a fait mon travail? Lui a fait du mal à lui. Lui fait du mal à lui. Lui fait du mal à lui. Bango ba sangelie. Bango ba sangelie. Donnez-moi une chaise maintenant. J'appelle ça le diable au repos. Il s'écure les dents. Pinobubunda. Frère, bête bien, kobonibou. Bête à ça contre ministère na yo. Atonga ki yo. Atala que misuma be yekuto apesa kombote te yekuto jura na sala que ma oh bete 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 pa beta que ma kasi. Et lui il viendra seulement faire quoi? Il te pousse, tu tombes, il te pousse, tu tombes, il te pousse, tu tombes, il te pousse, il te pousse. Pourquoi? Tu es déjà fatigué par les coups que l'autre t'a donné. Je refuse cette vie chrétienne. Je refuse cette vie chrétienne. Tu n'es pas mon ennemi.
Mon ennemi, c'est Satan. Je ne veux jamais te haïr. Je ne veux jamais te combattre. Je ne veux jamais te critiquer. Je ne veux jamais te calomnier. Ma bouche ne détruira plus jamais un serviteur de Dieu. Ma bouche ne détruira jamais plus un chrétien. Je n'ai pas le temps pour détruire un autre homme de Dieu. Je me répands de cela. Mon but, c'est de sauver les âmes. C'est de gagner les musulmans. C'est de gagner les occultistes. C'est de transformer les vies. Lorsque je tiendrai mon micro, ce sera pour te prêcher la croix, te prêcher Jésus, te révéler celui qui est mort et qui est ressuscité. Et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je bénirai mes ennemis. Parce que le diable, c'est lui mon ennemi. C'est lui mon ennemi. Je ne ferai plus jamais le travail du diable. Ma bouche prêchera l'évangile. Ma bouche ne va plus calomnier, ne va plus critiquer. Serai otonga tokotonga te. Ne laissez pas l'ennemi vous utiliser. Chaque fois que vous parlez du mal de vos frères, c'est ce que vous faites. Chaque fois que vous êtes jaloux de vos frères, c'est ce que vous faites. Chaque fois que vous lancez des malédictions contre vos frères, c'est ce que vous faites. Chaque fois que vous souhaitez le mal dans la vie des autres, c'est ce que vous faites. Vous ne servez pas Dieu. C'est Satan que vous servez. Tu désires quoi? Que le sorcier de votre famille meure. Tu penses que c'est être un serviteur de Dieu? Tu désires que ceux qui disent du mal de toi, que Dieu puisse les frapper. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Nous prenons les armes que Dieu nous a données. Au lieu de les tourner vers Satan, nous les tournons vers nos propres frères. Et nous oublions que c'est Satan qui est notre ennemi. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit lorsque Pierre s'est opposé à sa mort. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il ne s'est jamais occupé de Pierre. Il s'est occupé du diable qui était derrière Pierre. Pierre, il a sauvé, il est devenu un apôtre. Le diable, il a chassé, il a dépouillé. Que Dieu vous bénisse. Abondamment.